pour le room tour donc de la chambre d'Arthur. Vous m'excuserez, je suis pas en face cam aujourd'hui, mais comme je suis malade, je suis absolument pas bien et assez présentable pour vous faire une face cam. Donc j'ai décidé de faire un autre format, de faire plus une voix off et de vous présenter un petit peu les produits de cette pièce. Voilà. Alors cette chambre, c'est la chambre d'Arthur. Donc en toute honnêteté, j'aime les trois chambres de nos enfants, mais je crois que celle-ci, elle a un petit plus. Mais grâce à cette fresque murale, j'avais vraiment l'idée de faire ce dessin et Bastien a réussi à la perfection. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout ce qu'on a fait. Donc en fait, on a nous-mêmes créé les couleurs ici sur le mur. On est parti d'une base blanche et on a acheté un colorant noir et on a teinté plus ou moins à chaque fois pour avoir différents coloris. En ce qui concerne le soleil, je voulais pas acheter un gros pot. J'ai été acheter des testeurs en fait à Monsieur Bricolage, des petits testeurs. On en a passé même pas un pour ça. Donc le petit testeur, ça coûte 2 €. C'est la marque Dulux Valentine. Et voilà, on a pu faire le soleil sans acheter un gros pot. C'était parfait. Donc voilà, on a fait un retour. Au départ, c'était pas prévu, puis finalement, on a fait un retour. Je trouve que c'est quelque chose qui peut lui aller encore pendant très longtemps. Ça fait pas bébé, ça fait pas ado non plus, ça fait très enfantin. Je trouve ça très joli. Donc voilà, ici normalement, il y a une petite suspension. Je vais vous la montrer, c'est ça. Elle n'est pas accrochée au mur, pourquoi? Parce qu'elle est tombée, je suis dégoûtée. Première fois qu'on accroche quelque chose au mur, vous savez que les systèmes qui font pas de trous, mais je pense qu'on avait vraiment sous-estimé le poids en fait, parce qu'on avait vraiment pris un petit crochet. Moi j'avais dit à Bastien, ça va jamais tenir, et lui m'a dit mais si, mais non, c'est quand même une assiette, c'est assez lourd, donc du coup on va prendre quelque chose pour un poids plus important, voilà. Donc c'est une petite assiette en porcelaine que j'avais trouvée à Action. J'ai eu de la chance, elle est tombée, mais elle ne s'est pas cassée. Donc cette assiette, normalement, elle va retourner ce week-end ici, voilà, le long du mur, voilà. Ensuite, sur ce grand mur, donc vous avez un avion en carton. Donc ça, vous en trouvez un peu partout maintenant. Mais je l'ai pris à Centre-Accor, voilà, ça coûte 7 €, je crois. Et je trouve que ça va très bien dans le décor un petit peu des montagnes, voilà. Ensuite sur ce mur vous avez une très jolie affiche que j'ai pris à, sur AliExpress. Donc tous les cadres viennent d'Action hein, mais l'affiche elle vient d'AliExpress, donc je la trouve très belle. Ensuite si on descend, donc il y a les radiateurs, il y a une espèce de petit appareil photo que j'ai repeint en bois. Et ici vous avez un petit pompon comme ça que j'ai pris sur AliExpress aussi. Là vous avez le cheval à bascule qui était le cheval d'Evan, mais en fait qu'on a donné à Arthur. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est qu'on n'a pas mis les plaintes encore. Donc, je me suis dit, je vais pas attendre qu'on ait vraiment mis les plaintes et tout. Je vous filme la chambre, elle est terminée à part les plaintes. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas peint jusqu'en bas, ne vous inquiétez pas. Mais les plaintes blanches vont arriver incessamment sous peu. Le lit, donc ça, c'est le lit de Maë, le lit de Maë que j'ai repeint. En fait, on a gardé la couleur principale qui était le gris. Mais moi, j'ai repeint en fait une barre, la barre du haut comme ça en blanc pour faire un petit peu ressortir le lit le long du mur. Normalement la barre ici elle va le long du mur pour que l'enfant puisse monter dans le lit, mais comme Arthur est petit et que j'ai peur qu'il tombe, et ben on a décidé pour le moment de mettre le lit dans ce sens pour éviter les chutes. Quand il sera plus grand et qu'il sera plus en confiance, on retournera le lit normalement. Cette magnifique housse de couette vient de Centre-Accor aussi si je ne me trompe pas, elle est très jolie. Et je trouve qu'elle va très bien dans la couleur de la chambre, voilà. Et elle n'était vraiment pas chère, je crois qu'elle était même pas 15 €, voilà. Ensuite, de ce côté, comme dans les chambres de ses frères, on lui a fait un coin lecture. Donc on a pris les petites étagères ici à Action, c'est les mêmes qu'on peut trouver un peu aussi à Ikea et tout, mais pour beaucoup moins cher. Je les ai payées 2,40 € les petites étagères. Voilà, il peut avoir des petits livres comme ça à disposition. Ici, vous avez un petit bac quand même qui est assez grand, en bois osier, on dirait, que j'avais pris à Ikea et qui est rempli de petits livres. Voilà, tous ces petits livres, ces petits albums. Là, vous avez le gros nounours qu'Arthur a eu pour son premier Noël par mon frère. Un énorme nounours, et c'est bien parce qu'en fait, il s'assoit dans les jambes du nounours pour lire le livre. Là, vous avez un petit coussin, un petit fauteuil barbe à papa. Et une petite caisse encore avec d'autres livres ici. Je vois vraiment qu'il faut vraiment qu'on mette les plaintes parce que je trouve que ça n'est pas fini. Mais voilà, sinon c'est un petit détail. Et ensuite un peu plus haut vous avez trois cadres et puis un petit truc de cerf-volant. Voilà, ça c'est un cerf-volant en métal, métallique, que j'avais acheté à Vermodé pendant des soldes. Il est moutarde, je l'avais pris parce que je me suis dit ça ira très bien aussi avec les couleurs de la chambre. Et ben, je ne me suis pas trompée, j'ai pris quelques décos bleues, grises. Et un petit peu de moutarde, ça va très bien dans le thème. Donc les trois affiches que vous voyez ici viennent, pour les deux duos, d'AliExpress. Et celle-ci, ça vient d'Action. C'était un petit kit d'affiches que j'avais acheté
Action il y a très longtemps. Regardez-moi la beauté de cette affiche. Elle est trop jolie. Ça vient d'AliExpress. C'est magnifique. Voilà. C'est un abécédaire avec des jolis dessins que je trouve juste sublimes. Donc la porte n'est pas faite. Par contre, voilà, ça c'est pareil. Il nous reste les trois portes des garçons à faire et les plaintes. Donc ça, on va le faire. Mais on a attaqué le bureau après, donc on n'a pas encore eu le temps. Et Bastien veut faire les portes en même temps que les portes du placard de l'entrée. Donc en fait, il m'a dit pour l'instant, on les fait pas, mais on fera tout en même temps. En haut, vous avez une petite décoration. Il était une fois que j'avais acheté quand Evan était tout bébé. Et du coup, ça va dans la chambre de son frère. Voilà. Ensuite, on va aller face vers la baie vitrée, quoi, la porte-fenêtre. Donc là, vous ne voyez pas forcément. Les rideaux, c'est les mêmes que dans la chambre de ses frères. C'est des petits rideaux avec des tout petits détails comme ça, mouchetés, que je trouve très jolis. Je les adore. Donc voilà, j'ai trouvé les mêmes pour tout le monde. Ici, vous avez des petites pampilles, des petites étoiles, des petites choses que j'ai trouvées à Action. Ensuite, sur le retour en fait de son placard, donc lui on lui a fait un placard ici dans sa chambre. En fait, ça laisse largement la place pour pouvoir ranger d'autres choses un peu partout. Mais on lui a fait son placard ici, c'est exactement comme dans la chambre de ses frères. Voilà, il a les placards comme ça ici avec le tiroir. Il a de la place pour mettre des jouets en bas et de l'autre côté aussi. Donc là sur le retour, du coup, on a accroché un espèce de petit fanion comme ça que j'avais trouvé à Action, qui est très joli, en sorte de PVC. Un petit cadre Hello qui est très joli, qui vient aussi de AliExpress. Et un peu plus bas, donc ici, on lui a accroché ces patères que j'avais acheté il y a très longtemps dans l'optique de faire un jour la chambre des enfants. J'avais trouvé ça à Casa, je crois, et je trouve trop beau. Voilà, on a mis un petit pompon ici. Là, il a une petite table que je vais changer parce qu'en fait, elle est jolie, elle est pleine de gravures, mais c'est pas pratique quand il va vouloir faire des dessins. Là, aujourd'hui, c'est sa petite table de puzzle, mais ma soeur lui avait acheté une l'an dernier à Noël, donc je vais la ressortir, qui est plus grande et qui est lisse, voilà. Donc là, il a des petits jouets en bois et il a ce magnifique petit tabouret, petite chaise, on va dire, que ma soeur lui avait pris l'an dernier à Noël. Je lui avais demandé, on dirait des petites un peu cornes de reine. Voilà, ça vient de Casa, ça, voilà, et c'est trop joli. Et dessus, il a son petit loup. Je vous l'avais pas montré, son petit loup, mais regardez comme il est beau. Je l'ai trouvé en brocante, donc c'est un petit loup, mais dans son ventre, regardez, il a la grand-mère. C'est trop mignon, voilà. Donc en fait, vous pouvez passer la grand-mère par la bouche et ça ressort par le ventre. Bon, c'est un peu glauque en soi, mais Arthur, il adore. Voilà, on l'a trouvé en brocante, c'est passé à la machine et tout, et il est comme neuf. Et je l'ai acheté 5 euros. Donc son petit loup avec sa grand-mère dans le ventre, ça, il l'adore. Donc souvent, le petit loup, il se met sur la chaise, voilà. Ensuite, le tapis qui est un petit peu sale, ma foi, il va falloir que je passe à la machine. Mais j'avais acheté quand on avait aménagé dans notre ancienne maison pour la chambre des garçons. Et du coup, bah, je trouve qu'il va très bien ici, donc je l'ai mis dans la chambre d'Arthur. Voilà, c'est un tapis qui se lave très facilement, qui se passe en machine, et je l'avais pris sur AliExpress. En ce qui concerne le sol, le parquet, c'est le même que dans la chambre des trois enfants et de notre bureau. Alors, on l'a pris à Castorama et il est juste magnifique. Ensuite, en haut du placard, vous avez une petite frise Arthur. Donc ce qui est dommage, c'est que le A, on le voit pas trop en fait. Elle l'a fait, la dame, en gris foncé, mais elle a fait un carré gris foncé. Mais je le trouve quand même très joli. C'est un cadeau qu'on nous a fait. Je l'ai pas acheté, on nous l'a donné. Les enfants, les grands ont chacun le leur. Mais là, je me suis dit que dans la chambre d'Arthur, ça irait très bien avec les couleurs. Donc je trouve ça très joli. Et ici, vous avez un petit coin, donc pour l'instant, qui fait un peu vide, mais je vais voir peut-être pour aménager différemment dans le futur, on va dire. Mais c'est le petit coin avec la petite marchande, voilà, donc cette petite marchande que j'ai prise à Jiffy pour le Noël d'Arthur l'an dernier. Bon, il manque plein d'accessoires, normalement il en avait beaucoup plus, mais il les emmène en fait entre la chambre d'Evan et ici. Mais voilà, il y a une petite marchande avec une petite balance en très bon état, très jolie. Voilà, ça vient de Jiffy, je peux que vous le conseiller. Ici, vous avez un petit panne, quoi, un petit bac pour mettre des peluches. Voilà, il a ses Mickey, il a son petit lama, tout ce qu'il faut. Et ici, il a son petit piano. Donc ça, c'est une petite veilleuse. Et puis là, son petit renard. Et là, c'est un piano qu'on allume ici. Alors, il était peut-être déjà allumé. Voilà. Que mon frère lui avait acheté à Lidl, si je ne me trompe pas. Je le trouve trop mignon. Voilà, très joli. Et au-dessus, vous avez cette petite étagère que j'ai pris à Action, toujours, voilà, en bois, avec des espèces de lanières noires. Ça vient d'AliExpress et ça vient de Centre Accord. Et comme on lui avait pris cette jolie affiche là sur AliExpress aussi, Panda, et bah du coup, je me suis dit ça irait bien, je trouve côte à côte, voilà. Il adore son panda, il appelle ça au départ un hippopotame, mais non, je dis ça un panda. Mais je trouve que ça fait très joli. Ça, c'est une statuette, c'est assez fragile, donc ça va bien ici.
Et pour terminer, on a la suspension là-haut, c'est la lumière qui est assez connue, qui vient de chez Ikea, qui coûte 19 €, mais je trouve qu'il fait tout son effet. Voilà, j'adore. Donc voilà, pour terminer cette chambre, je trouve franchement qu'elle est plutôt sympa. C'est très lumineux, ça fait très enfant. Je sais que ça fait son petit effet, parce que quand les gens rentrent, à chaque fois, les gens font « waouh ». Et voilà, et Arthur, il l'adore. C'est ma chambre, comme il dit, et il l'adore. Et franchement, bon, il y a la place pour jouer, il se marche pas dessus, loin de là. Et c'est des chambres, je trouve, encore une fois, qui sont très faciles à ranger. Voilà, chaque chose à sa place. Les compartiments, je vous ai pas montré ici, mais il y a aussi des compartiments pour les jouets. Hop, j'ai acheté des bacs pour les enfants, ils peuvent tout ranger. Et comme Noël arrive à grands pas, ça sera cool. Voilà, voilou, ben sur ce je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous pensez de la chambre, des coloris. Et puis voilà, dites-moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des idées à me donner, je les prends aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.